Dépêché par le président de la transition, le ministre de l'enseignement supérieur au Maroc a largement échangé avec le directeur général de l'ISESCO sur l'éducation, la science et la culture. Au cours de ces rencontres, le membre du gouvernement a exprimé la reconnaissance de l'État gabonais envers cet organisme international. Nous avons évoqué les perspectives d'organisation à Libreville du comité exécutif de l'ISESCO, la contribution attendue du Gabon sur le sommet mondial en matière de futur, sommet des premières dames. Le professeur Hervé Ndoum Essingone et sa délégation ont tenu une réunion élargie avec les chefs de secteur, les directeurs de centres et de départements de l'ISESCO. La présentation des principaux programmes et initiatives mises en œuvre par l'organisation. Nous avons passé en revue tous les points d'accord, les points de coopération sur lesquels nous devons travailler dans les semaines à venir, pour permettre que les actions de l'ISESCO entrent dans une résonance extrêmement forte avec la vision du gouvernement en matière d'éducation, en matière d'enseignement supérieur et en matière de recherche scientifique. Le président de la Commission nationale gabonaise pour l'éducation, les sciences et la culture, le professeur Hervé Ndoum Essingone, a procédé à la visite des salles d'exposition du Musée international de la Sira du prophète et de la civilisation islamique. Siège de l'ISESCO à Rabat au Maroc.